Ouais, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. J'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi, ça va. Merci de demander. Comme vous le savez, le samedi, il y a mon spectacle à 21h15. Prenez vos places parce que il reste encore des places et il faut réserver pour venir assister à mon spectacle. Mais bref, revenons à ce qui s'est passé hier soir parce que oui, c'est cette vidéo que tout le monde attendait. Oui, je sais, je n'ai pas fait de vidéo suite à la défaite du Paris Saint-Germain, mais on s'en fout. Il y a plus important. Le Real Madrid s'est déplacé dans le nord de la France pour aller jouer face à une équipe qui s'appelle Lille, inconnue sur le plan européen. Lille a fracassé le Real Madrid. Le Real Madrid était impuissant. On a vu les petites tentatives de déstabilisation des joueurs qui n'ont pas fonctionné. Zegrova. Oh là là, mais qu'est-ce qui vous a fait? Oh non, la maison n'est plus blanche. La maison est tachée de sang. La maison est pire, tachée de caca. Le Real Madrid, même avec l'arbitre, s'est fait fracasser par Lille. Oh là là, Lille! Et je te parle pas de Lil Wayne ou de Lil Baby. Non! Je te parle de Lille dans le nord de la France. Exactement, a vaincu le champion en titre de la Ligue des Champions, le Real Madrid. Je rappelle que dans l'équipe du Real Madrid, il y a Bellingham, Vinicius, Modric, Arda Güler, Mbappé, oh là là, Rodrigo, Pou, Tchouaméni, Kamavinga, oh là là. Mais la liste ne s'arrête pas, c'est pas terminé, c'est n'importe quoi. Vous vous êtes fait frapper par Lille. Lille! Aujourd'hui, donnez-moi 11 joueurs de Lille sans aller sur Internet. Hein? Voilà! C'est incroyable. Alors donc, c'est ça les Galactiques? Les Galactiques version 2024? Hein? C'est ça? Bande de nuls. Vous êtes nuls. Oh là là, il n'y a rien, aucun jeu, aucun automatisme. Rien, même pas dangereux. Vous commencez à venir parler aux joueurs, à essayer de les déstabiliser. Rudiger, oh là là, zéro. Franchement, lui, il aurait dû mériter un carton rouge déjà, parce qu'il a eu un carton jaune, mais après, il a fait d'autres fautes. Bon, tu connais, c'est le Real Madrid. Ils ont toujours l'arbitre. Vous êtes venu à 12 sur le terrain, hein? 11 joueurs, habillés en blanc, avec un joueur, hein? Qui faisait semblant d'être l'arbitre. Et vous avez quand même perdu. Tu te rends compte? Oh là 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 là! Incroyable! Là, on n'a plus rien à dire sur le Real Madrid, si ce n'est que là, c'est la crise. Oui, on n'a jamais vu une défaite comme ça. On n'a jamais vu ça. Déjà que depuis le début, on disait que le Real Madrid, bon, le jeu, voilà, ça va venir avec le temps, mais là, on est au mois d'octobre. Ça va venir quoi? Au mois de juin? Hein? Au mois d'août? Vinicius qui arrive même plus à dribbler. Mbappé qui perd tous ses ballons quand il rentre. Oh là là, il est venu face à Lille, Mbappé, et il a perdu contre l'équipe de son petit frère. Oh la vache! Non, 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 non. Ça sent mauvais. T'as vu comment, quand tu t'approches du stade de Real Madrid, comment ça pue? Ça commence à sentir le caca. Comment vous pouvez être nul comme ça? Hein? Laissez les autres équipes être nulles, c'est vous les plus grands. Non? C'est à nous, le Paris Saint-Germain, parce que nous, on a perdu contre Arsenal quand même. Pas Lille. Tu vois? Ouais, faut dire, alors nous, ta vidéo, Arsenal, la défaite. Et Lille? On dit quoi? On fait quoi? Hein?